Bueno Bima, Gatia Tonus. Fika Mito, en complicité avec le général Firete. Bolo Fabouka, c'est ça encore. Boula Bima! Bonjour, messieurs, dames. Avant de vous présenter le ministère de la SAP sur Facebook, je m'étais présenté auprès de vous pour vous dire qui je suis. Je vais encore me représenter devant vous, cette fois-ci parce que c'est une vidéo qui apparaîtra sur YouTube. La vidéo sera réalisée par Guy Fayel, Image Plus. Je ne cesse de dire Moutimaya Jijin Abdila Piconte. Donc, je vous présente le ministère depuis Coulommiers, dans le 77, chez Simon Templar, le sapologue du 21e siècle, l'homme des classements. Le ministère de la SAP. Lorsque j'ai créé le ministère de la SAP, mon but, c'est de sortir la SAP du ghetto. Et pour sortir la SAP du ghetto, j'ai été obligé de réécrire le mot SAP. Parce que le mot SAP, c'est ce que vous appelez la société d'ambiance des personnes élégantes. Mais moi, je voulais réécrire le mot SAP pour enlever cette société d'ambiance des personnes élégantes. Et pour en arriver à ça, j'ai écrit le ministère. Le ministère n'a rien à voir comme le ministère que vous entendez. Je vais vous expliquer. M comme mouvement. I comme indépendant, N comme nouvelle, I comme idéologie, S comme SAP, T comme théorique, E comme exemplaire, R comme réflexion européenne.
Donc j'ai fait le ministère de la SAP. Le mot SAP, je l'ai réécrit. J'ai mis S comme sensibiliser. C'est ce que je suis en train de faire. A comme art. P comme pédagogie ou philosophie. E comme exemplarité. C'est ça le ministère de la SAP. Mouvement indépendant de la nouvelle idéologie de la SAP théorique et pratique émanant de la réflexion européenne. C'est le ministère. Et le mot SAP, c'est ce que j'ai dit, sensibiliser, art. P comme pédagogie, E comme exemplarité. Ce qui revient à dire que, désormais la SAP, nous devrons être exemplaires si nous sommes des leaders d'opinion. Que ce ne soit plus une société d'ambiance des personnes élégantes. Nous devrons sensibiliser, si nous sommes des leaders, sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui, que la SAP est un fléau qui peut amener les gens en prison comme moi je l'ai été. Parce qu'il fallait que j'aille chercher l'argent pour pouvoir toujours être le meilleur. Toujours plus. Voilà là où la SAP peut être un fléau. Je ne suis pas politicien, je ne roule pour personne. Je suis là en tant que créateur du ministère de la SAP. Et mon rôle à moi, c'est d'éveiller les consciences, de dire aux jeunes de ne pas faire la même chose que moi. Le but du ministère, c'est de créer un musée de SAP où toutes les photos, où toute l'histoire de la SAP sera racontée et narrée. Le musée a déjà commencé sur Facebook. Vos photos que vous publiez, vos photos que je prends, vous avez ma parole, qu'il y aura un jour que je finirai par les exposer dans un musée. Je suis en train de me battre pour ça. L'année prochaine, je pourrai avoir une salle où j'exposerai toutes ces photos-là. Le ministère de la SAP, le but, c'est de créer un musée. Mais, c'est dame, il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. J'aimerais me présenter devant vous pour que vous n'ayez plus de doutes, pour que vous ne vous dites pas que non, on ne le connaît pas. Annick Bertin, général Firenze, créateur du ministère de la SAP et du parisianisme. Je suis venu en France le 1er mai 1982. Ça fait 40 ans que je suis dans la SAP. Donc je sais de quoi je parle. Je vais parler des années où moi j'ai commencé la SAP, des années 70. Je n'irai pas chercher les années 60 parce que je ne connais pas cette SAP-là. Je ferai appel aux grands frères qui ont vécu ces périodes-là pour qu'ils viennent compléter ce que moi je ne pourrais pas vous apporter. J'appellerai les grands parce que ce mouvement-là, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Il y a des grands qui ont commencé ce mouvement-là avant nous. Donc je mettrai en valeur ces grands-là. Je vous parlerai de la Mecque, je vous parlerai des sapeurs, je vous parlerai de la SAP, je vous parlerai aussi du crack que je suis. Donc le ministère de la SAP, chaque fois, je viendrai vers vous pour vous parler de la SAP. Mais avant de vous parler de la SAP, comme j'ai dit, je me présente. Ça fait 35 ans que je suis en France. J'ai aussi un autre parcours. La SAP m'a amené derrière les barreaux. C'est aussi un sujet que je traiterai. Donc, il n'y aura pas de sujet tabou. Je parlerai de tout et de rien. Maintenant, si je me présente, c'est pour que dans deux matins, que vous ne vous dites pas que mais oui, mais on ne savait rien de lui. Je suis un ex-bad boy. C'est-à-dire un ex-détenu qui a connu de la prison, qui a été condamné 17 fois, qui a deux enfants, célibataire, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas été au lycée. Je me suis arrêté au moment où j'ai décroché le BMG, je ne suis pas parti au lycée. Mon intelligence vient d'en haut, ce n'est pas celle des hommes. Donc ne soyez pas étonnés, je viens à nu. Ceux qui viennent vers vous sur Facebook, ils ont des qualités. Moi, je n'en ai pas, j'ai plus de défauts que de qualités. Donc je vous les mets déjà. Je suis impulsif, violent, jaloux, possessif. Je mets mes défauts parce que j'ai plus de défauts que de qualités. Ne soyez pas étonnés, je suis un ex-bad boy. Oui, mais je suis aussi un serviteur de Dieu. Donc, ne soyez pas étonnés aussi que demain, que vous me voyez avec Guy Fayel,
Je vais faire une vidéo où je parlerai peut-être de ma foi, de ma religion. Ne soyez pas étonnés. Juste pour vous dire que, désormais, quand vous allez m'inviter, il faudrait que vous sachiez, si vous m'invitez en tant que ministère de la SAP, je viendrai en tant que crack gothique. Parce que j'ai un rôle à jouer, faire de la pédagogie. Mais si vous invitez Annick Bertin, général Firenze, ça signifie que vous invitez un serviteur de Dieu. Quand vous allez parler de Dieu, vous allez parler de la religion. Donc vous avez maintenant deux personnes en moi. Le ministère de la SAP, qui vient d'affaire de la pédagogie. En ce moment-là, vous m'invitez en tant que ministère de la SAP. Je viens en tant que crack gothique. Si vous m'appelez en tant que Annick Bertin, général Firenze, celui-là est devenu serviteur de Dieu. Il ne viendra pas pour la SAP. Donc, je vous le dis dès maintenant. Donc, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas étonnés. Ma vie, elle est là. Je vous ai dit, j'ai été condamné 17 fois. Je connais la prison. J'ai passé pratiquement 25 ans derrière les barreaux. Que cela ne vous étonne pas. Que demain, celui qui a passé sa vie derrière les barreaux, puisse être un serviteur de Dieu. Voilà la présentation du ministère de la SAP. Donc, vous me verrez souvent avec Guy Fayel, Image Plus, parce que nous allons travailler en binôme. Donc, en conclusion, le ministère de la SAP, je voulais expliquer quel est le but, c'est de créer un musée. Je vous remercie. Et cette émission, la première émission, je vais la dédier à mon grand frère, Bailly Joachim, qui est mort le 9 août. C'est le deuxième enfant de ma mère, dont je suis le troisième. Donc cette émission est dédiée à mon frère, qui est décédé à Brazzaville. Je souhaite que si ma mère peut voir cette émission, qu'elle écoute ma banzouzi, qu'elle sache que, comme j'avais dit, je vais dire ça en lari, ma banzouzi n'a pas sambiri. Miami Kulumianzambi, 30 ans qu'à mon aneko. Miami Kulumianzambi. Kamana Wayam Boutumanana Boutumanana. Miami Kulumianzambi. Kungawana Tanga, ma banzouzi, mina mina tanga, peni mina wabi mita ilama. Voilà, donc une pensée pour ma mère, qui a déjà perdu 3 enfants. Nous étions 7, nous sommes maintenant 4. Voilà, donc cette émission est dédiée à mon frère qui est décédé, Joachim. C'est pourquoi je ne vais pas faire de dédicace pour d'autres personnes. Donc je dédie cette émission à mon frère Joachim qui est décédé le 9 août. Merci. Parfait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà, je reviens encore vers vous. Mais cette fois-ci, j'ai dit en tant que religieux. Oui, un crack gothique aussi peut parler de Dieu. Oui, je porte des jupes. Oui, je suis gothique. Est-ce qu'un gothique ne peut pas parler de Dieu? Vous qui jugez. Mais moi, je pense que Dieu m'a choisi tel que je suis, avec ces vêtements-là, tel que je suis. Je viendrai vers vous prêcher la bonne parole. Je ne suis ni apôtre, je ne suis ni prophète, ni pasteur, ni docteur en théologie. Je suis juste un simple serviteur de Dieu qui a un ministère de l'évangélisme. Et un évangéliste, c'est celui qui témoigne. Et je viens vers vous pour me présenter. Annick Bertin, général Firenze, comme j'ai dit, c'est devenu un serviteur de Dieu. Donc, lorsque vous m'invitez en tant qu'Annick Bertin, général Firenze, sachez que je viens avec ma Bible. Je vous le répète que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un docteur de la loi. Je suis tout simplement un évangéliste. Ce ministère m'a été donné par le prophète, pasteur, Joseph Kimene d'Orléans. C'est lui qui m'a appris la Bible. Pendant un an et demi, j'ai suivi un pasteur, prophète Joseph Kimene d'Orléans. C'est lui qui m'a donné ce ministère-là. Aujourd'hui, je ne suis plus avec lui. Je suis maintenant dans une paroisse
avec le père Mathieu et le frère Laurent. Je serai baptisé en avril 2018. Je ne suis qu'un élève qui apprend. Et là encore, je vous dis que j'ai mes défauts. J'ai plus de défauts que de qualités. Mon appel, le premier que j'ai eu, je l'ai eu en 94. En 94, je me trouvais à la prison de Fleury-Mérogis. Mais la première fois que je suis parti à la rencontre de Dieu, c'est en 89. Là encore, j'étais dans une prison, dans le 78, à Bois d'Arcy. Et cette fois-ci, c'était le père Aubry. Donc, lorsque je vous ramène toujours à la prison, c'est mon histoire, c'est ma vie. C'est là-bas où j'ai connu Dieu. Mais de 1994, mon appel s'est converti en novembre 2014. Ça fait 3 ans que je suis devenu serviteur de Dieu. De 1994 à 2014. 20 ans, j'avais le brouillard. Permettez. Cette Bible, c'est un cadeau qui m'a été offert par la poétesse Nathie Ebriette. J'ai noté cette date-là. C'était le samedi 3 janvier 2015. C'est un cadeau de Nathie Ebriette, la poétesse, celle qui m'avait offert cette Bible. Je garde cette Bible-là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il n'y a que 3 livres qui sont beaucoup lus dans le monde. La Bible pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans et le dictionnaire. Larousse, qui n'a jamais ouvert le dictionnaire. Ce sont les 3 livres les plus lus. Dieu est en train de mettre sur la route une nouvelle génération des évangélistes. Il voulait des guerriers pour une nouvelle armée. Il est venu prendre un général. Un général qui était dans la sape, qui devient serviteur maintenant de Dieu. Le combat politique, je ne suis plus là-bas. Mon combat est ailleurs. Un général au service de Dieu. Alors que le général était au service de la sape. Le général est maintenant au service de Dieu. Je ne fais pas de mystère, je ne fais pas de miracle. Je suis là pour témoigner. Et je viendrai vers vous pour témoigner de temps en temps. Oui, un crack gothique peut parler de Dieu. Vous qui jugez, voilà, Dieu m'a accepté tel que je suis. Avec mes robes, avec mes jupes, gothique que je suis. Si cela vous paraît anormal que je parle de Dieu, vous êtes dans la merde parce qu'il m'a choisi tel que je suis. Le crack gothique au service de Dieu, il a le ministère d'évangéliste. Ni prophète, ni apôtre, ni pasteur, ni docteur en théologie, juste un évangéliste qui vient à vous parler de Dieu, pas d'autre chose, témoigner. Je viendrai vers vous témoigner de temps en temps. Je ne suis pas parfait. J'ai encore beaucoup de défauts. J'en ai plus de défauts que de qualités. Je suis en train d'essayer. Pour terminer, j'avais fait une promesse lorsque je suis sorti de la prison en novembre 2009. J'avais fait 4 promesses. Guy Fayel, Image Plus. La première promesse, je l'ai faite au tribunal de Paris. Je leur avais dit s'ils me donnent une chance, s'ils enlèvent mes interdictions, parce que j'avais 17 interdictions de 10 ans. J'ai dit au tribunal, si vous me donnez ma chance, une seule chance, je saisirai cette chance-là, je ne reviendrai plus. Le tribunal, avec mon avocat, que je vous présenterai avec le temps, Maître Bokara, le tribunal m'a écouté, le tribunal m'a donné cette chance-là. Le tribunal a enlevé toutes les interdictions que j'avais. J'avais 17 interdictions de 10 ans. La deuxième promesse, je l'ai faite à mes enfants.
Je suis père de jumelles. Mes enfants avaient 10 ans. J'ai promis à mes filles que je ne repartirai plus jamais en prison. Je vais les voir grandir. Je suis sorti en 2009. Nous sommes en 2017. Je ne suis plus reparti en prison. Cette promesse-là aussi, je l'ai tenue. La troisième promesse, je l'ai faite au père Dominguez et à la sœur Dominique qui m'ont aidé en prison de Fresnes. Ce sont eux qui m'ont aidé à pardonner. Parce que lorsque vous êtes en prison, lorsque vous avez l'habitude d'être en prison, vous devenez un animal. Vous devenez pratiquement un haineux, quelqu'un qui a de la haine. J'ai fait 2 ans pour apprendre à pardonner avec les prêtres. Ils appellent ça la sophrologie religieuse. J'ai appris à pardonner en prison. C'est une promesse là-bas aussi que j'ai faite qu'en sortant de la prison, je servirai Dieu. Et je chanterai pour Dieu. La quatrième promesse, c'est celle que j'ai faite. Que je chanterai pour Dieu. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au moment où je vous parle, j'étais en train de me poser des questions. Comment je pouvais changer ma musique, celle que je faisais avant, pour chanter maintenant Dieu? Ce n'est plus un problème. Si demain, il y a un producteur qui est là, qui est crédible, je lui donne un album. Désormais, je chanterai pour Dieu. Donc, toutes les promesses, je suis en train de les tenir. Mes promesses sont là. Je suis en train de les tenir. Je ne fais plus de business. Je vois grandir mes enfants. Que voulez-vous? Donc, je suis là pour témoigner. Rien que ça. Je ne parlerai pas d'autre chose que témoigner. Un évangéliste doit témoigner. Donc, ne soyez pas surpris si vous me voyez avec ma Bible, que je vienne au terrain, que je fasse quoi que ce soit. Ne soyez pas surpris. Je suis un évangéliste. La Bible. C'est plus une griffe de vêtements. Vous montrez les griffes, je vous montre la Bible. Vous avez l'habitude d'exhiber vos iPhones. Je peux aussi exhiber aussi ma Bible. Vous montrez vers ça. C'est la plus grande Bible, la plus belle griffe, c'est celle-là. Vers ça, c'est mort. Vous continuez à montrer sa griffe. Mais vers ça, ça ne reviendra plus. Mais lui, c'est la plus belle griffe, je pense. Vous parlez de Weston. Weston ne vous connaît pas. Mais lui, il vous connaît. La Bible. Soyez pas surpris qu'un crack gothique vous parle de la Bible. Je vous remercie, messieurs, dames. Je reviendrai encore vers vous, mes frères et mes sœurs. Pour cette première, je vais quand même faire un clin d'œil à certaines personnes qui sont déjà dans la confidence, qui savent que j'ai l'habitude de prier avec ces personnes-là. Je fais un clin d'œil à Lucille, LCL, depuis Londres. Je fais un clin d'œil à Christian de Monaco aussi, qu'on parle aussi, qu'on partage ça. À Kani, Nissa aussi, que j'ai commencé aussi à parler aussi de la parole. À Miesta, Wesley, Estelle. Je parle de Dieu avec le dictionnaire de la SAP. Elvis Makwende. Donc il y a des gens, je parle de Dieu avec le japonais ma gloire. Donc il y a certaines personnes, donc je fais un clin d'œil à ces personnes-là qui savent désormais qu'on peut se réunir pour prier ensemble. Et puis, mon dernier clin d'œil va à Bachi de l'Essonne, qui était dans le Barça, qui est en train aujourd'hui d'évangéliser dans les métros un peu partout. Que la paix du Seigneur soit avec lui et qu'il l'accompagne dans cette nouvelle voie qu'il a trouvée. Et un dernier clin d'œil. Le dernier clin d'œil, je vais le faire à mon petit frère, que je considère comme mon petit frère, Philizène d'Alizion. Il est fils de pasteur. Lorsque je suis parti à son mariage en 2014, Philizène avait déjà un guide spirituel qui lui avait remis la Bible. J'espère
que Félizène va bientôt me suivre dans la même voie que la mienne. Qu'il vienne décharger toutes les personnes qu'il avait chargées dans la salle. Je l'attends dans ce ministère de Dieu. J'attends Félizène d'Avision. Qu'il vienne décharger. Décharger, ça signifie que s'il est en train de les charger, il faut qu'il les décharge maintenant auprès de Dieu. Demander pardon à toutes ces personnes-là qui la chargent. J'attends Félizène d'Avision dans ce ministère de la salle. Plutôt dans le ministère de l'évangéliste. Félizène d'Avision, je t'attends. Merci.